Merci à tous. Merci à tous. Merci. Alors voilà, ça revient là. Parfait, parfait. Ah ben, comme vous voulez, qu'est-ce que... Ben, allez-y rapidement, monsieur le président. Oui. Ce sont les projets de la diaspora. Ce sont des projets que la diaspora des États-Unis et du Canada ont mis en place. Donc, ça, c'est la vision de la Côte d'Ivoire les 10 prochaines années à venir. Ah, bravo, bravo. Le projet de la diaspora, c'est le e-government, c'est le second World Side Ado, c'est la santé gratuite, c'est la banque et le recensement de la diaspora, c'est la certification de charter du rêve de New York à Abidjan. Et puis les deux gens, mais bravo. Monsieur le Président, la plateforme e-government va permettre au gouvernement d'échanger avec les institutions de l'État, avec les ménages, avec le business et puis les citoyens de l'État. Voici la plateforme qui est en construction. Très prochainement, nous aurons l'accès à la. Monsieur le Président, voici le website ADO. Ça sera le second website ADO. Mais ici, nous mettons l'accent sur les sondages et les Q&A, les questions et réponses avec le peuple. C'est bon pour les élections, ça. Et voici la plateforme qui est en construction, Monsieur le Président. D'accord. La santé. La santé vous tient à cœur. La santé gratuite pour tous. C'est notre objectif. Ici aux États-Unis et au Canada, nous avons des ONG pour regrouper les équipements et les médicaments pour les transférer à Abidjan. Le conseil syndical est très important. C'est vrai. Madame la Première Dame, nous savons que vous vous intéressez beaucoup à ce sujet. Il y a déjà un programme qui est en place pour cela. Le recensement de la diaspora, je n'ai pas revenu là-dessus, mais aussi ce qui est important, c'est l'opération TEM 10 millions de dollars. Il nous faut 10 millions pour pouvoir mettre notre banque, ça fait 5 milliards à peu près, et je pense qu'il y a plus de 10 000 membres de la diaspora ici à New York, on pourra avoir cette argent en commun. C'est bien cette banque-là. Le recensement de la diaspora. Il faut donner accès aux offres d'emploi à la diaspora. Il faut qu'on puisse avoir accès à cela. Il faut qu'on puisse participer aux appels d'offres. Je pense que le CCA a parlé de ça. Ah, monsieur le Président, c'est ça. Il faut que ce soit rapide. On ne peut plus passer par Paris. On va aller directement à Abidjan. Et il y a des membres. Avec, voici le grand challenge de la décennie. Le métro Abidjan, les autoroutes de la paix nord-sud et puis S13. L'accès facile à l'internet et à tous les Ivoiriens. Et puis on conclut avec bien ceci. Et ça veut dire le président Kennedy, and so my fellow American, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. And so, members of the diaspora, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Bravo. Merci, merci. 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 C'est très intéressant. Il faut qu'on y travaille. Senator Perkins, thank you for being with us tonight. And thank you for your hospitality to Ivorians and Africans in the state of New York.
Very, very grateful to you. Thank you for being here. Madame la Première Dame, Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame et Monsieur le ministre, Monsieur les ambassadeurs Bamba et Diabaté, je devrais dire Monsieur l'ambassadeur représentant de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, Monsieur Bamba, et Monsieur l'ambassadeur Diabaté, notre ambassadeur à Washington. Mesdames et Messieurs les membres de la délégation qui m'accompagne, Mesdames et Messieurs les leaders de la communauté ivoirienne des Amériques, chers compatriotes, je pense que c'est inutile de vous dire combien je suis heureux d'être avec vous cet après-midi. C'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole devant vous en ce jour pour vous dire combien ma joie est grande de me retrouver parmi vous à l'occasion de cette rencontre. C'est vrai, quand j'ai été contacté par M. l'ambassadeur en juillet, pour une rencontre avec mes compatriotes ici, je lui ai dit que je reviendrai pour les assemblées à Lyon. Et qu'à cette occasion, je vous recevrai. Donc voilà, ces choses faites, je suis particulièrement heureux que vous soyez nombreux pour que nous puissions échanger. Merci de votre présence. Je voudrais, au moment où mon séjour en terre américaine tire à sa fin, vous dire merci au nom de mon épouse, de la délégation qui m'accompagne, et à mon nom personnel, pour cet accueil si chaleureux que vous avez bien voulu me réserver. Ce séjour en terre américaine, aussi enrichissant qu'il a été, aurait eu pour moi un but inachevé si je ne prenais pas le temps de vous rencontrer. Vous battez tous les jours, sans relâche, loin de notre chère patrie, dans le courage et l'abnégation, afin que la Côte d'Ivoire continue d'être le pays phare que nous ont légué les pères fondateurs. Vous avez toute mon admiration. Oui, je connais ce pays. Je connais moi-même aussi, pour avoir vécu à l'extérieur, les vicissitudes de la vie à l'étranger et les sacrifices importants que cela commande. C'est pourquoi je voudrais chaleureusement vous saluer. Tout autant que vous êtes femmes, hommes, jeunes et vieux, et vous signifiez la fierté que je trouve à être le président d'une nation dont la diaspora constitue un motif de satisfaction à tous les niveaux. Vous êtes notre fierté. Merci à vous. Chers compatriotes, vous avez tous vécu à des degrés divers la difficile crise post-électorale et les conséquences tragiques qui en ont résulté pour notre pays en termes humains et matériels. Cette situation a entraîné la faillite économique et morale de notre nation, notamment la désagrégation du tissu social, qui était le socle de la nation ivoirienne. J'ai donc hérité à ma prise de fonction d'un pays exsangue, sans aucun repère, totalement aux antipodes des valeurs de paix et d'unité que nous a enseigné le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai connu au moment où notre pays émerge progressivement de la crise
à faire ce bref rappel historique, aussi douloureux que soit-il, pour vous situer sur l'ampleur des trois défis qui attendent tous les Ivoiriens en général, y compris ceux de la diaspora, afin de faire à nouveau de la Côte d'Ivoire ce havre de paix, cette terre d'espérance, comme l'a dit notre hymne national, qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Il s'agit de la sécurité et de la paix, de la réconciliation nationale et de la reconstruction et de la relance économique. J'attends donc de la diaspora qu'elle prenne la part qui est la sienne dans les chantiers importants de la réconciliation et de la reconstruction qui sont les principaux piliers de la renaissance ivoirienne. Votre responsabilité est d'autant plus grande à ce sens que vous constituez, par votre diversité, une unité d'Ivoire à l'étranger et que vous vivez dans un pays pluriethnique, de tolérance, fruit d'un métissage et d'un brassage inédit et dont la grandeur économique en fait incontestablement une référence. Vous pouvez, par votre expérience, vos potentialités, être un puissant vecteur de réconciliation, mais également un catalyseur du développement de notre pays, car vous faites partie intégrante de sa richesse. Je peux vous dire donc que la nation vous attend. Nous vous attendons. La Côte d'Ivoire tout entière, comme vous l'avez dit, Monsieur Séa, est en chantier. Nous avons déjà initié, afin de relancer la croissance, un certain nombre de chantiers et de grands travaux, tels que la construction de ponts, d'autoroutes, de barrages thermaux et hydroélectriques, de chemins de fer, etc. La liste est longue. Je vous encourage donc vivement à prendre une part active à tous ces ouvrages et y apporter votre expertise. Et j'ai été impressionné par le diapo que vous venez de nous projeter. Chers compatriotes, vous avez bien voulu, par l'intermédiaire de votre porte-parole, porter à mon attention un ensemble de doléances auxquelles je m'efforcerai en temps opportun de répondre. Et, bien sûr, nous ne disposons pas de tout le temps qu'il faut, mais je voudrais vous indiquer quelques esquisses de solutions, étant entendu que je demeure ouvert avec mes collaborateurs à la poursuite de ces échanges. Comme vous l'avez dit, Alassane Brahman Ouattara, c'est à deux solutions. Vous pouvez être certain d'une chose. Mon but est de mettre à votre disposition les conditions optimales devant vous permettre de jouer la partition qui est la vôtre dans le développement de notre beau pays. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les 11 préoccupations qui ont été évoquées et qui s'articulent essentiellement autour de la nécessité de mettre en place les structures devant permettre à ceux qui désirent rentrer leur insertion dans le tissu économique. Je voudrais à ce niveau de mon propos vous ramener à mon allocution au 17e sommet de l'Union africaine à Malabo, allocution qui avait comme thématique l'autonomisation des jeunes dans un développement durable. Je fais état à cette occasion, pour les 5 années à venir, d'un ensemble de mesures devant permettre la création d'un million d'emplois et une dotation de 1 milliard de dollars pour les investissements. Dans ce dossier,
seront examinés par les ministères techniques concernés en vue d'une réponse rapide à vous apporter sur ces différents points. De même, le gouvernement, malgré les effets pervers de la crise post-électorale, a décidé l'octroi d'une aide de 100 millions de dollars au secteur privé pour relancer les activités de PME. Il s'agit là d'importantes mesures destinées à ramener la confiance et à créer un environnement propice au retour de nos frères de la diaspora qui estiment qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édification d'une meilleure société. Et cela, j'en ai la conviction. Donc, je vous demande de ne pas hésiter, venez au pays. Vous aurez le temps. Merci. D'ailleurs, je donnerai dans les prochains jours des instructions précises dans ce sens, en tenant compte de la spécificité de la diaspora. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, nous avons lancé des appels à candidature pour de très grandes structures dans notre pays, que ce soit le Centre de promotion des investissements, la Société nationale de développement informatique, le Centre de cartographie, et tenez-vous bien, les lauréats, ceux qui ont été retenus, sont tous des Ivoiriens de la diaspora. Et ce travail a été fait de manière indépendante par le cabinet Ernst & Young, l'un de nos compatriotes qui a été retenu est un jeune qui travaille à la Société financière internationale et en ce moment en Afrique australe. Un autre, un de nos compatriotes qui réside au Canada. Et un troisième, un de nos compatriotes qui réside aux États-Unis et qui travaille chez Motorola. Je veux dire, le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de femme parmi les trois qui a été. Je vous demande, chers sœurs, participez à ces appels à candidature. Oui, je crois également comprendre que le taux élevé des taxes fiscales et douanières, de même l'absence de structures crédibles, fiables, d'encadrement et de conseil, notamment dans le domaine bancaire et immobilier, constitue une préoccupation récurrente et semble être un frein à votre désir d'investissement. Notre ministre des Affaires étrangères, et qui a bien sûr à sa charge la défense des intérêts de nos compatriotes à l'extérieur, s'est doté d'un département en charge des Ivoiriens de l'étranger, c'est-à-dire des Ivoiriens de la diaspora. D'ailleurs, je voudrais féliciter le Premier ministre Duncan d'avoir pris cette initiative et lui dire que je le soutiendrai. Je vous soutiendrai à renforcer les capacités de ce département pour en faire un véritable outil d'intégration. Il nous faut, pour ce faire, renforcer les capacités des structures existantes, aussi bien au département central que dans les représentations diplomatiques et consulaires. Il nous faut également connaître avec précision le nombre de nos compatriotes vivant à l'étranger, pays par pays, en constituant des fichiers fiables et en constituant les fichiers non seulement fiables, mais encourager la constitution d'associations qui vont participer à l'opération de recensement. Cela permettra de disposer d'une base de données fiables et d'expertise des Ivoiriens à l'extérieur pour faciliter à terme l'insertion des Ivoiriens tant au niveau des structures nationales que dans les organisations internationales.
Je voudrais donc vous dire que je souscris parfaitement à la proposition que vous avez faite de disposer d'un consulat à New York, et ce consulat général sera... Nous venons de créer un consulat général à Paris. Donc, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous demande de créer un consulat général à New York. De même, je voudrais vous annoncer également que les coûts de visa seront réduits. Après des études complémentaires qui en détermineront les modalités pratiques. Chers compatriotes, la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années est désormais derrière nous. Oui, elle est derrière nous. Je vous invite à mener ensemble, main dans la main, le véritable combat qui est celui de la lutte contre la pauvreté. Et je me réjouis que vous ayez décidé à votre tour de travailler à la réconciliation. Oui, j'aimerais vous lancer un appel. Acceptez de vous pardonner les uns les autres. Acceptez de vous retrouver ensemble entre Ivoiriens, sans distinction de religion, d'ethnie ou de région. Ainsi, vous serez conforme à ce que j'essaie de faire en ce moment. Vous regarderez mon gouvernement, toutes les ethnies, toutes les régions y sont représentées. Prenez le Conseil constitutionnel, vous verrez que toute la région, toute la religion, toutes les ethnies y sont représentées. Prenez la commission dialogue, vérité et réconciliation, vous verrez que tout le monde est représenté, y compris notre star, Didier Drogba, qui a bien voulu nous apporter sa présence. Donc, impliquons-nous résolument, tous ensemble, dans la réconciliation nationale et la reconstruction de notre pays, afin d'en faire, comme je l'ai annoncé dans mon allocution devant l'Assemblée générale des Nations Unies, un pays émergent à l'horizon 2020. Oui, ce n'est pas seulement un rêve, mais j'y crois. J'y crois. J'y crois parce que les Ivoiriens sont au travail. J'y crois parce que les Ivoiriens sont réconciliés et sont engagés dans la réconciliation. J'y crois parce que la Côte d'Ivoire a sa place sur le continent, une place de choix. J'y crois parce que la Côte d'Ivoire, après cette crise, va grandir. Nous allons grandir. Mais par la diversité, cette diversité que les États-Unis ont développée, nous la mettrons en œuvre dans notre beau pays. Je peux vous assurer que mon ambition pour ce mandat, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la place qui était la sienne il y a 20 ans. Je vous remercie. Je vous demande de rassurer très fort, monsieur le président de la République. Merci, monsieur le président. Je vous demande une fois de plus de rassurer le président qui vient de vous donner les solutions.
lui avez demandé une série de solutions et il ne vous en proposait. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, je pense, Monsieur le Président, que vous avez tout vu. Cette cérémonie tire à sa fin. Je voudrais, chers frères, chères sœurs de la diaspora, de dire que le chef de l'État est très heureux d'être avec nous. Nous allons donc une fois de plus le saluer. Pendant que Monsieur l'Ambassadeur fasse maintenant l'annonce. Monsieur le Président de la République, chers compatriotes, le Président de la République vous charge d'un agréable devoir. Le Président de la République peut aider la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis à décider de vous donner une somme de 50 000 dollars pour vous aider. Séance tenante, remettre l'enveloppe au président du comité d'organisation qui veut bien s'approcher de l'Union nationale. Il est entendu que cette somme, c'est une différente association. Mais pour être sur parti, je remets au président du comité d'organisation et qui va se charger de faire le dispatching entre les différentes associations existantes ici. Merci. Olivier, tiens ton micro, Olivier. Dernier élément, le président de la République offre à l'assistance un cocktail dînatoire dans l'autre salle là-bas. Vous êtes tous conviés. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première Ministre. Madame la Première Dame. Ce temps, l'information aussi. Monsieur le Président, on me charge de vous dire que d'ici, et vous souhaite donc bon cocktail. Il est avec nous en esprit, il est bien obligé de partir maintenant parce qu'il va prendre l'avion. Il va devoir se retirer. Merci. Monsieur José, s'il vous plaît. Monsieur José. I'm gonna get you.